Hello, hello et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding. On va se retrouver sur le mariage de Sereine et Albert en Provence. Je vais aller chercher Clément, mon second footer, pour aller faire le scouting venue et t'emmener dans un lieu que je target depuis si longtemps. J'ai hâte de te le montrer. Hello, how are hello. You? Hi. 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 Ah, cool, perfect. Mm. Hello. Elle est sympa, hein, la chambre. Ouais. Au-dessus. Ouais, j'aime beaucoup. I love the room. Non, le lustre et même la fenêtre là. Tu vois, même ça, tu vois, ça peut être beau. Ouais. Claque avec ça là. Et ça, j'aime bien aussi. J'aime bien ça. J'aime pas la télé. Ouais, mais ouais, la télé, ça gêne. Sinon, faut que je photoshoppe la télé. La télé, je peux la photoshopper. Ouais. Wedding day. Je vais vous présenter qui? Samantha, planeur, Tommy, filmmaker, second shooter, vous le connaissez, ça y est. Et du coup, j'ai terminé le mood board en fonction des scouting venue d'hier. Aujourd'hui, on va commencer par les flatlays. Vous avez vu du coup le château, je vous le présente plus. Et puis on va attaquer direct par les flatlays avec les boutonnières, etc. Yeah. Oh, have she been on you during the tour? Oh, yeah, there you go. Ok, les harpistes. Les harpistes, comme j'ai vu hier qu'il y avait de l'ombre, je pensais les mettre là. Oui, ça faisait joli même pour les photos avec le background. Bon, je peux avoir un peu de château et un peu de ça, ça ouais. Ok. Et du coup, les salons, ce serait pas mal d'avoir deux comme ça, pour que visuellement, ça soit ouais, beau. Si tu veux, ouais. Alors, attends, là, t'as j'en ai une table basse, 2 et 2, donc ça veut dire 2 et 2. Ouais. Comme ça, ça te fait un bas et un haut ouais. De chaque lounge. Ça fait un peu visuellement différent. Ouais, et après, puis t'es 3 manches debout. T'es 3 manches debout. Comme ça, ok. Ah oui, non ouais, ouais. C'est ça que tu voulais? On peut faire un comme ça et un comme ça. Comme ça, quand ils arrivent, tu sais, c'est joli, ça fait vraiment salon. Okay. Toi, t'aimes la symétrie? Pas forcément, je trouve ça joli quand c'est... C'est asymétrique? Bah, dans l'idée, moi, ça me dérange pas. Donc du coup, c'est que surtout si je mets des fleurs et tout, visuellement, ça peut amener un peu ouais. Plus d'autres. Oh, on est au milieu, là. Bon. Je pense. Essaie de mettre l'autre à côté, je te dirais. C'est celle-là, ça va être la première que je vais shooter, donc il faut qu'elle soit bien. Et du coup, après, il faut les coller, c'est bon. Perfect. And Saran, can you look at your... So, a little bit of sparks. So your best side is not the bride best side, but the groom best side is this one. So you stay here. Can you look at each other? Perfect. Forehead to forehead. Perfect. Okay. En fait, on rapproche. Là, ici, j'ai vraiment un trop gros trou. Donc là, on est pas mal. Il va falloir me ramener les trucs là. Il me faudrait des bougeoirs. Celui-là, il est beau. Je veux bien celui-là. Ouais. Celui-là, je le trouve trop tassé. Voilà la salle tête habituelle après les mariages. On vient de rentrer, il est -15. Je suis devant mon ordinateur, je suis en train de dérocher. Les petites cartes du mariage, j'utilise des petites cartes à petite capacité. Si jamais il y en a qui flash, au moins je ne perds pas tout le mariage. Je shoot en double slot. Mon petit passeport, disque dur externe que j'emmène partout avec moi
pendant les destination wedding. En fait, la première chose que je fais, c'est je copie ici, je copie après sur mon ordinateur et je garde tout sur mes cartes. Et tout ça, je les mets pas du tout dans le même endroit quand je suis en déplacement. Comme ça, si jamais on me pique mon ordinateur, par exemple, et ben je les ai toujours ici sur moi. Lui, il est toujours sur moi. Et lui, avec mes appareils photo. Donc voilà, et comme d'habitude, je vais faire des previews. Elle est pas fatiguée. Avec quoi je travaille, sérieux? Bonjour, c'est le dernier jour du vlog. Du coup, une bonne douche. Hier, j'ai tout dérushé, j'ai terminé à 2h du matin, j'ai fait des previews. Les photos sont canon, je pense que le couple va être vraiment, vraiment content. La météo, il s'annonçait vraiment, vraiment nuageux et genre orage, et etc. tout le long de la journée d'hier. Et finalement, il n'a pas du tout plu. La lumière a été idéale. Franchement, une lumière parfaite partout, à tout moment. Donc, on ne pouvait pas rêver de mieux. Le couple hyper disponible pour faire les photos. Ils ont aussi profité parce que c'était un tout petit mariage. Et là, en fait, avec Clément, on va dérusher, on va trier les photos. Et puis voilà, ça sera reparti pour un autre mariage. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 48 Hours Wedding.